À 45 km à l'est de Tizi Ouzou se trouve la commune des Beni Yenni. D'une superficie de 3 499 hectares, ses habitants au nombre de 7 134, répartis en 6 villages. Terre fertile, eau abondante, beau paysage, site merveilleux pour le touriste qui recherche la fraîcheur en été. Les ressources proviennent de l'agriculture en grande partie de l'olivier et des cerisiers, surtout de la spécialité des habitants de cette région, l'art de façonner l'argent. Ils sont presque tous des artisans bijoutiers. Cet art qui donna et donne encore aux historiens d'innombrables difficultés sur ses origines et son apparition à Beni Yenni. Vous êtes artisan bijoutier? Et dès que j'ai quitté l'école à 13 ans, je fais le métier d'artisan. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'artisans avec vous ici à Beni Yenni? C'est le pays original des artisans. Tous les artisans qui existent, presque dans la Kabylie ou même Alger, la plus grande partie sont d'origine d'ici. Oui, mais là, nous avons assisté, nous voyons que vous travaillez à l'ancienne mode, comme nous disons. Vous ne faites pas appel aux appareils modernes. À ce qui me plaît, c'est l'ancien mode, je suis plus à l'aise. Et c'est pour faire plaisir aux visiteurs, pour les mettre au courant de l'ancien mode, comment le métier est fondu. Et vous ne voulez pas un jour moderniser votre atelier? Actuellement, mon caractère, ça me plaît d'être comme je suis. Parce que le monde moderne, tout le monde est plein. Ce qui est curieux à voir, c'est le mode ancien. L'originalité. C'est l'originalité. Oui, et dites-moi, comment vous êtes venu à ce métier? Comment vous avez appris le métier d'artisan bijoutier? C'est-à-dire, une fois que j'ai vu que je n'ai réussi pas à l'école, et la situation ne me permet pas de continuer mes études, j'ai appris le métier de mon père, c'est mon goût. Et vous êtes de père en fils ici? C'est un métier de père en fils, depuis mon grand-père jusqu'à mon père, jusqu'à moi. À Beni Yenni, est-ce qu'il y a des jeunes qui apprennent aussi le métier? À Beni Yenni, c'est pas un métier de l'école, mais c'est un métier qui se donne de parent en parent. Si vous avez un neveu, ou si vous avez un de votre famille qui n'arrive pas dans ses études, vous le prenez dans votre atelier pour lui apprendre le métier. Et est-ce qu'il y a des gens qui sortent en dehors de Beni Yenni, qui vont s'installer ailleurs? Qui sont ici, c'est-à-dire, une fois qu'ils ont le métier ici à Beni Yenni, ils s'installent à Tizi Ouzou, ils s'installent à Alger. Et l'écoulement, est-ce qu'il se fait facilement? Est-ce que vous pouvez vendre ici même à Beni Yenni? L'écoulement, ce que nous arrivons à faire, nous arrivons à peu près, pas tout à fait, mais nous arrivons à vivre. L'écoulement ne se fait pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitation. Et si votre fils venait à grandir, est-ce que vous lui apprendriez également le même métier? C'est-à-dire, comme j'aime mon fils, c'est mon fils, je l'envoie à l'école. S'il a réussi dans ses études, il vaut mieux le laisser dans ses études. S'il n'a réussi pas, automatiquement, il apprend le métier. Oui, mais quand même, il est bon de conserver cette Oui, tradition. Oui, le métier ne peut pas se perdre. Il faut que je l'apprenne à mes filles ou à mon enfant. Même s'il est fonctionnaire, il peut apprendre le métier. En temps perdu, il faut qu'il fasse son métier. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'apprendre à des femmes, à des jeunes filles, ce métier? Est-ce qu'il y a des filles? Par exemple, votre fille, est-ce que vous l'avez appris? Oui, ma fille, c'est un métier qu'on peut apprendre à toute la famille. Toute la famille nous aide dans ce métier pour arriver. Parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre pour arriver à gagner sa vie. Et dites-moi, pour terminer, quel est votre vœu? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Le jour où vous arrêtez de travailler, c'est qu'est-ce que je souhaite à mes collègues ou à mes enfants qui ont payé le métier? Je souhaite qu'ils aient un débouché principalement. Quand le bijou s'écoule, nous arrivons à gagner beaucoup notre vie. Quand le bijou ne se vend pas, nous ne sommes pas bien. Et justement, s'il ne se vend pas, c'est parce qu'il y a des personnes qui trouvent que le bijou artisanal, ce que vous faites en ce moment, coûte excessivement cher.
Mais coûte cher parce que c'est du travail à la main. On peut, par exemple, si vous prenez un bracelet et vous déterminez combien de temps il faut le faire, si vous nous payez la journée, vous allez trouver le bijou qui n'est pas cher. Le régime colonialiste faisait du métier d'artisan un métier de raté. En privant les artisans de l'enseignement qui aurait pu leur faire aimer et respecter davantage cette tradition. L'incertitude, ce complexe que le régime d'antan entretenait, empêcha la bijouterie kabyle de se développer pleinement. L'artisan ne comptait que sur lui-même, fabriquant ses outils, refusant l'aide d'apprentis étrangers autres que ses enfants ou membres de sa famille. Il allait de village en village, échanger sa marchandise contre des vivres ou lingots d'argent. Lors de certaines expositions, les artisans de Beniéni tentèrent quelques timides essais, mais vite ils furent déçus. On ignora leur mérite, leur habileté, et surtout cette passion et cette énergie humaine qu'ils dépensaient pour faire d'une pièce de monnaie un bijou qui fait la fierté de celle qui le porte. Aujourd'hui, les choses ont changé à Beniéni. Les ateliers qui hier étaient petits et sombres sont grands et bien aménagés. On travaille seul ou en famille. Les outils sont modernes. Mais l'artisan, lui, reste toujours le même. Il manipule délicatement les fils et, suivant son inspiration, il monte le bracelet, le collier. Infatigable, il consacrera des jours et des nuits à la recherche d'un genre nouveau en respectant toujours le même procédé. Le montage, l'assemblage, la décoration des bijoux restant toujours un travail manuel. Et malgré les privations de toutes sortes, l'artisan de Beniéni resta le maître absolu de cet art. Cet art qui aujourd'hui a trouvé sa place, une place de choix qui lui revenait de droit. Ces bijoux qui hier étaient la propriété des artisans eux-mêmes ou n'avaient de place qu'au marché local sont fièrement exposés dans les vitrines des grandes villes d'Algérie et de l'étranger. Chacun trouve dans la bijouterie kabyle ce qu'il désire. Bijoux d'une sobre et forte élégance, bracelets,
collier, boucle d'oreille, objet décoratif. Monsieur Albrechy, en votre qualité de directeur de l'ONATA, est-ce que vous pouvez nous situer la place qu'occupe le bijou kabyle, notamment le bijou de Benigni? Ben, le bijou de Benigni occupe une place très importante dans le pays, puisque en somme c'est le seul bijou qui est très valable, qui est produit à grande échelle et qui est surtout fabriqué par des artisans qui ont une très grande classe et c'est à la suite de... C'est une tradition. C'est une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à l'heure présente. Et les bijoutiers de Benigni sont passés maîtres en l'art de fabriquer ces bijoux. Oui, mais il y a certaines inquiétudes qui règnent actuellement quant à l'écoulement de leurs marchandises. À ce sujet, l'ONATA a pris des dispositions et est en train d'étudier ce problème. Nous avons même essayé de le résoudre partiellement, puisque à l'heure actuelle, nous avons contacté tous ces bijoutiers de la région avec lesquels, avec la plus grande partie de ces bijoutiers, nous avons passé des contrats pour une fabrication se faisant sur de très longs mois, avec la garantie de leur acheter toute leur production. Et à cet effet, et riche surtout de l'expérience que nous avons eue lors de la foire exposition de Montréal de l'année dernière, nous leur avons demandé de fabriquer, toujours en gardant le même style, le style kabyle de la bijouterie, de faire des bijoux plus légers, c'est-à-dire beaucoup plus abordables à la clientèle. Et ça demande évidemment un travail beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fini, puisqu'il s'agit de travailler sur des couches de pièces d'argent très minces. Mais toujours est-il que, par comparaison avec les prix, nous avons constaté que les petites pièces très légères était très abordable, était très, très, très primé par la clientèle, surtout européenne, parce qu'il ne faut pas oublier, en fin de compte, que la production de l'artisanat, notamment la production de la bijouterie, est destinée surtout à l'exportation. Or, ce bijou, par excellence, va avec tous les styles. Il va avec les styles modernes qu'avec les styles anciens. Et à ce sujet, nous avons fait des essais, nous avons envoyé à l'extérieur pas mal de bijoux nouvellement fabriqués et nous attendons en ce moment le résultat. Oui, il y a quand même d'autres concurrents sur la place, il y a d'autres bijoux également, mais... C'est-à-dire la force de l'artisan kabyle, l'artisan algérien en général et de l'artisan kabyle en particulier, parce que l'artisanat ne s'occupe pas seulement de bijouterie, mais en ce qui concerne la bijouterie, nous avons gardé toujours le style, nous n'avons pas essayer, comme d'autres pays, d'industrialiser cet artisanat. Si on en veut dire, on veut augmenter la production, mais on ne veut pas l'industrialiser. Et c'est une des raisons principales que notre bijou a beaucoup plus, a une place meilleure, a une place de premier choix par rapport aux autres bijoux qui ont été faits sur un plan industriel. Les artisans de Benigni nous ont fait part également d'une autre inquiétude, à savoir la matière première qui risquerait un jour ou l'autre de leur faire défaut. Il n'y aurait plus de matière première, il n'y aurait plus d'argent à Benigni. Ils n'ont pas à avoir cette inquiétude puisque déjà l'ONATA a entrepris les démarches nécessaires pour en importer, pour importer cet argent, cette matière première. Et nous pensons justement le distribuer à ces artisans, évitant ainsi les intermédiaires qui existaient auparavant et les tracas administratifs et bancaires. Et c'est l'ONATA qui va prendre en charge tous ces éléments pour essayer justement d'aider l'artisan à avoir la matière première dont il a besoin. Et nous allons certainement influencer sur les prix, puisque certaines taxes vont être supprimées, certaines charges sur le plan administratif ou d'intermédiaire vont être supprimées. Alors, sur ce plan-là, il n'y a pas à avoir d'inquiétude. Oui, ça, c'est pour tranquilliser les artisans. Mais il y a également un autre problème, un autre aspect du problème, c'est le prix très élevé du bijou kabyle. Le prix très élevé, enfin, c'est relatif, ce prix relativement très élevé du bijou kabyle, à l'échelon local,
n'est pas le grand problème de l'artisan lui-même, puisque les taxes ensemble sont payées par l'office, national, mais notre but, le but de l'artisanat, c'est surtout de vendre à l'extérieur la production artisanale. Et à ce sujet, nous sommes exonérés de la taxe. Par conséquent, le producteur lui-même est exonéré de cette taxe. Ça, c'est un facteur très important qu'on a souvent oublié dans les discussions. Or, le prix sera un prix très juste, ce sera un prix compétitif, puisque ces taxes qui paraissent élevées seront supprimées. Alors, sur le plan local, il est évident qu'il y a certaines taxes qu'il faut se plier, comment dirais-je, aux nécessités un peu de la situation économique du pays. Mais l'essentiel, la grosse production, la très grande partie de la production doit être expédiée à l'étranger. Donc nous pouvons dire que le bijou kabyle a un avenir prospère, puisque... Un avenir excessivement prospère si les résultats, je le souhaite, d'ailleurs nous avons des indices très favorables, si les résultats de l'entreprise que nous avons faite à l'heure actuelle donner un résultat positif. Enfin, il y a beaucoup d'espoir. Aucune personne jusqu'à ce jour n'a pu déterminer les origines de la bijouterie kabyle. Chaque étude s'est achevée sur de vagues hypothèses. À la lumière des écrits, les uns vous diront que le bijou Sabah évoque pour eux le souvenir du diadème qu'Homère plaça sur le front d'Andromaque. Pour d'autres, le fronton porté au XVe siècle par Marguerite d'Écosse. Le dard, bracelet ciselé, évoque pour certains le brassard romain. Pour d'autres, cet art proviendrait d'Andalousie, de l'Espagne musulmane, car la courbe et la couleur de leurs émaux se rapprochent de celles des bronzes grenadins. Pour le corail dont se servent les artisans de Benyeni, on laisse supposer que ce seraient les artisans bougiotes qui l'auraient transmis à ceux de Benyeni, puisqu'il abondait sur la côte. Cet art, qui était jusqu'à l'indépendance un métier de famille, est enseigné à l'école. Il devient pour les élèves du centre pilote de bijouterie de Bab El Oued un métier d'avenir. Sous la direction de M. Abed, lui-même ancien artisan bijoutier de Benyeni, ses 46 élèves du niveau du CEP sont appelés à devenir des moniteurs. Le métier est moins pénible puisque les machines modernes leur préparent les fils d'argent. Le montage et l'assemblage des différents motifs qui forment le bijou restant un travail manuel. Un peu partout à travers l'Algérie, d'autres jeunes apprendront, grâce à ces élèves, à aimer et conserver cette noble tradition. Et quelles que soient les origines de cet art, les bijoux que préparent les artisans de Benyeni et que prépareront demain ces jeunes élèves sillonneront fièrement le monde entier, prouvant que malgré les difficultés, le peuple est resté fidèle à sa tradition et que chaque Algérien fait un devoir d'occuper la place de choix dans le domaine qui est le sien.